Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez pur et sans péché. Mais tant que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon! C'est un imposteur! Un fanatique, un fou, un menteur! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même! Et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte! Et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. C'est un blasphémateur! C'est un imposteur! Nous traiter de sépulcre blanchi! Arrêtez-le! Il faut le mettre en prison! De quel droit crois-tu parler pour le peuple d'Israël? Écoute donc les enseignements de notre Dieu! Est-ce lui l'homme que vous dites si dangereux? Ça, l'homme qui aspire à être un roi. Approche. Approche, approche, approche. Voilà. Les représentants du Sanhédrin t'accusent de répandre dans le pays une doctrine erronée. Approche. Ils disent aussi que tu déclares être le roi des Juifs. Alors, es-tu roi des Juifs? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas capturé. Oh, tu parles de royaume. Alors il faut en effet que tu sois un roi. Es-tu un roi? Je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Non, ce n'est pas un criminel.
C'est un rêveur. Garde, emmenez-le, emmenez-le. Qu'il soit flagellé, cela devrait satisfaire notre justice et le réveiller un peu.